l'émission. Donc, encore, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous ce soir et de vous présenter l'un des sujets qui me tient bel et bien à cœur, le zéro déchet. Donc, en fond, c'est une petite présentation pour vous initier un peu au zéro déchet, donc l'idée d'être des apprentis ZD. À la base, moi, dans le fond, je vais vous expliquer un peu mon parcours, donc qui je suis. Je vais vous parler un peu de la théorie rapidement. Je vais embarquer dans des exemples concrets par la suite là, de mon cheminement puis des différents pas là, que j'ai accomplis depuis mon déclic. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, à la base, qui je suis une Lavalloise d'origine, et oui, je me suis expatriée durant 5 ans à Montréal pour vivre un peu en appartement avant de revenir à nouveau à la source, donc à Laval. Je travaille, dans le fond, j'ai une formation comme designer industriel et designer graphique. Donc, je travaille comme designer graphique au gouvernement. Je suis une personne qui a toujours eu un grand intérêt pour la cause environnementale en général. Donc, j'ai toujours lu, je suis allée voir des conférences, je me suis impliquée de manière globale. Je fais des dons à différents organismes environnementaux, je fais du bénévolat, de l'implication aussi, autant durant mon parcours scolaire, je m'impliquais dans des comités environnement également. Puis, depuis que je travaille, je m'implique aussi de façon citoyenne, dont ce soir est un exemple concret là, avec le webinaire. Mais j'ai également eu aussi 2 blogs, un qui n'existe plus, mais un qui est encore actif, qui s'appelle « En harmonie avec la Terre », si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. C'est un blog que je fais avec 2 autres Lavalloises, donc Diane Mongeau et Ariane Mascotte. C'est un blog qui est intéressant. Puis également, mais comme je disais, je m'implique de façon citoyenne aussi dans Laval en transition. Donc, sur différents projets là, à l'occasion. Donc, c'est un peu mon parcours global au niveau de mes intérêts. Si on embarque maintenant tranquillement dans le vif du sujet, mon initiation de zéro déchet, pardon, tout a commencé en fait. J'ai écouté l'émission « Tout le monde en parle » et j'ai vu une entrevue avec Bea Johnson. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, c'est une Française qui est allée aux États-Unis, qui a rencontré son conjoint là-bas, qui a eu 2 enfants, qui se sont mariés, puis qui vivait un peu le grand rêve américain. Et donc, une grosse maison, plusieurs voitures devant la porte, 2 cuisines, énormément mobilier, d'objets de toutes sortes. Puis, ça m'a interpellée, son histoire, puis je décide d'aller à la bibliothèque, d'aller voir finalement qu'est-ce qu'elle a fait comme transition, changement dans sa vie. Puis c'est vraiment une des pionnières du zéro déchet. Donc, elle a réussi avec sa famille à réduire ses déchets à moins d'1 kg par an pour 4 personnes. C'est vraiment tout un défi. C'est impressionnant. Puis moi, j'étais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle avait fait, comment qu'elle y est arrivée. C'est à ce moment-là que pour moi, j'ai vraiment eu un déclic. On peut dire que c'est vraiment le point tournant. À la base, je me disais, je suis informée. Je suis conscientisée, mais qu'est-ce que je fais finalement dans mon quotidien? Peut-être pas tant d'affaires que ça. Donc, ça m'a vraiment intriguée, puis c'est à partir de là que j'ai commencé à changer pas à pas mes habitudes. C'est sûr que le zéro déchet, c'est vraiment mission impossible, on va se le dire, là. Mais zéro, ça n'existe pas. L'idée, c'est vraiment de tendre vers le zéro déchet, de réduire tout ce qu'on produit, tout ce qu'on jette. Puis, il faut être patient. Il faut être patient avec soi-même, il faut être patient avec les autres. Vous allez voir que, tu sais, tout le monde alentour, c'est son entourage aussi a un rôle à jouer dans ce qui arrive chez nous, dans notre maison. C'est sûr que, bon, là, la situation actuelle avec la pandémie, c'est sûr que c'est pas une situation standard, là. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais le fondement reste le même, c'est-à-dire qu'il faut être patient avec soi-même puis avec les autres. Et je vais commencer par vous montrer un peu les règles de base du zéro déchet. On va les regarder ensemble. On va aller un petit peu dans la théorie. Puis, par la suite, je vais vous montrer, comme je disais tantôt, des exemples plus concrets des différents éléments que j'ai changés tranquillement chez moi. Donc, la première des grandes règles, en fait, c'est vraiment Bea Johnson qui a énoncé 5 règles du zéro déchet. La première, on parle de refuser. Bon, refuser, ça a l'air simple, refuser, mais
C'est un des éléments qui est quand même difficile. Pourquoi? Parce que c'est le côté social. C'est le côté qui peut être gênant. Refuser un cadeau que quelqu'un nous offre, ça peut être touché. Que ça vienne de nos parents, que ça vienne de nos amis, c'est nos proches. Que ça, c'est un élément qui peut être difficile. Refuser des échantillons, par exemple, dans un magasin, bon, je pense que ce côté-là est peut-être moins difficile, mais c'est des choses qu'on a le droit de refuser aussi. Des fois, on les prend comme par réflexe. Mais il faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ces échantillons-là? Peut-être que non, ça va juste traîner dans le fond du tiroir, puis finalement, c'est pas utile, puis si on encourage ce geste-là, finalement, eux, ils vont continuer à les produire. Donc, c'est tout ça qu'il faut toujours avoir en tête. Fait que refuser quoi? Tout ce dont nous n'avons pas de besoin. Telle est la première règle. Donc, ça fait partie de beaucoup de choses, que ce soit, comme je disais, des cadeaux promotionnels, des cartes d'affaires, des objets à usage unique, des échantillons gratuits et autres. Donc, il faut toujours se rappeler aussi que acheter, c'est voter. D'une certaine façon, si on accepte des choses gratuitement, comme je disais tantôt, mais ils vont continuer de les produire. Donc, il faut toujours avoir ce petit élément-là en tête. Deuxième règle, très importante, je dirais la plus importante, réduire énormément de choses. Donc, dans le fond, réduire ce dont nous avons besoin. Est-ce que c'est un besoin réel? Est-ce que j'en ai vraiment de besoin de cet objet-là? Si vous saviez le nombre d'objets qu'on a dans nos maisons, c'est hallucinant. Le nombre de produits ménagers, le nombre de produits corporels, de livres, on peut nommer énormément de catégories. Donc, vraiment, c'est de réduire ce dont nous n'avons pas de besoin. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que j'en prends soin de ces objets-là? Donc, le nombre d'objets en général est vraiment très, très grand. Fait qu'il faut un peu simplifier notre vie, puis penser plus à la qualité que la quantité, souvent. Donc, faire le vide aussi, ça a des avantages. Donc, on dirait que ça aère notre cerveau. Juste de voir, des fois, une pièce plus libérée, on dirait que ça nous fait du bien aussi à l'esprit. Donc, c'est vraiment de voir les objets différemment. Donc, ça, c'est une des règles qui est très, très importante. Puis, d'éviter aussi là, les activités qui amènent à la consommation. Donc, c'est sûr que si on s'en va faire du lèche-vitrine, bien, on a des chances d'avoir des nouveaux objets qui arrivent chez nous. Donc, c'est un peu de changer un peu ses habitudes pour finalement réduire notre consommation globale en général. Quand on regarde aussi la troisième règle maintenant. Troisième règle, réutiliser. Réutiliser quoi? Ce dont nous consommons et nous pouvons ni refuser ni réduire. Donc, dans le fond, c'est de réutiliser et d'essayer d'éviter d'avoir au maximum des objets jetables. On peut penser, dans le fond, par exemple, aux tasses à café. On peut les éviter, les tasses à café jetables, en apportant nous-mêmes notre tasse. On peut aussi avoir, par exemple, si on a des enfants, des couches lavables. Ou si on a nos règles, utiliser des produits qui sont aussi réutilisables. Donc, il y a plein d'objets qu'on peut réutiliser, mais qu'il faut changer nos habitudes finalement pour finalement l'incorporer puis l'avoir toujours à proximité dans nos objets de tous les jours. Donc, c'est une autre des règles très importantes. Par la suite, recycler. Bon, recycler, il y en a qui mettent ça en numéro un, mais à la base, Bea Johnson nous rappelait justement qu'il y en a trois autres avant très importantes à avoir en tête. Donc, recycler, oui, ça fait partie des règles du zéro déchet, mais ça vient en quatrième et non en premier. Donc, avant le bac bleu, il y a beaucoup d'autres étapes à penser en amont, à toujours garder en tête. Donc, recycler, dans le fond, tout ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser, finalement. Fait que dans le fond, ça peut être des emballages, des batteries, de la peinture, des pneus. Il y a plein de catégories là, d'objets que, oui, à un moment donné, on a besoin d'en avoir, mais qu'il faut penser à bien les recycler. Puis, si on regarde ici, j'ai mis quelques photos. C'est un photographe, Antoine Repessé, qui a fait, dans le fond, des scènes ici qu'on peut voir, qui sont vraiment des scènes pour nous aider à représenter la surconsommation. Avez-vous déjà imaginé si vous deviez garder l'ensemble des éléments que vous recyclez chez vous? Eh bien, ça peut ressembler un peu à ça. Ici, vous avez une scène, dans le fond, de deux personnes là, qui mangent, mais qu'alentour, ils ont tous les contenants de leur nourriture alentour d'eux.
Donc, c'est des fois, on a un peu la pensée magique, comme si nos déchets ils disparaissaient, que ce soit recyclage, que ce soit un peu n'importe quoi. Dans le fond, aussitôt qu'on les met au bord du chemin, ils disparaissent de notre vie puis on les oublie. Mais à la base, ils sont toujours là. Ils doivent être transformés en d'autres choses, ils doivent finalement être recyclés. Mais ce n'est pas nécessairement la totalité qui sont vraiment, on le sait, remis en valeur dans d'autres objets finalement. Donc, c'est un peu pour pousser la réflexion sur la surconsommation, puis en particulier sur les emballages, là, dans le cas présent. Ici, c'est un autre exemple, là, des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus ou autres. Donc, ça pousse à réfléchir. Et que ça sort d'une exposition hashtag 365 Unpack. Dans le fond, c'est le photographe que je disais tantôt. Donc, voilà des petits exemples qui font réfléchir. Puis, par la suite, si on regarde ici, la cinquième règle, évidemment, c'est de composter. De composter quoi, finalement? Bien, tout ce qu'on ne peut pas refuser, réduire, réutiliser ou recycler. Puis, composter, bien, on le sait, de plus en plus, maintenant, les villes, ils ont pris le pas de ce côté-là avec les bacs bruns. Donc, environ 32% des déchets, c'est des résidus verts qu'on peut mettre dans nos composts. Donc, c'est important de bien les utiliser pour éviter finalement que ça se rende dans les poubelles, puis que ça nuise davantage au lieu de retourner à la terre, puis d'être comme un engrais finalement. Donc, c'est toujours à avoir en tête. Je vais vous parler tantôt un peu de mon côté, parce que vous allez voir que je vais vous parler, je vais donner des exemples de chacune de ces règles-là, un peu qu'est-ce que moi j'ai fait de mon côté. Donc, on va rentrer un peu dans la théorie maintenant, encore plus loin, si on peut dire. Je vais vous parler du principe de l'iceberg puis du cycle de vie d'un produit. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu. On va commencer par le cycle du produit. Donc, à la base, c'est toujours important de l'avoir en tête. Pour n'importe quel produit, tout part finalement de l'extraction. On va extraire quoi? On va extraire des matières du sol, que ce soit qui poussent en dehors du sol ou qui proviennent directement du sous-sol, donc des minéraux. Puis, on va prendre ces matières premières-là, puis finalement, on va fabriquer un objet avec. On va le transformer, on va l'assembler, puis par la suite, on va le transporter. Donc, d'un lieu à un autre, c'est sûr, là, il y a plusieurs transports là, qui vont avoir lieu, que ce soit par camion, par avion, par bateau, par train. Tu sais, on le sait maintenant, aujourd'hui, là, c'est mondial, donc il y a des morceaux qui peuvent venir d'un peu partout, assemblés quelque part, transférés finalement ailleurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de transports là, qui ont lieu par rapport à nos produits. On utilise, il y a beaucoup de personnes qui vont commander d'Amazon, partout à travers le monde. Donc, c'est un élément qui est important tout le temps d'avoir en tête aussi. Après le transport, dans le cycle de vie d'un produit, on parle de la distribution. Donc, c'est sûr que souvent, l'objet va se rendre à un endroit, il va être stocké, il va être commercialisé avant finalement d'être vendu, puis que la personne l'utilise. Dans notre cas, souvent, c'est la partie qu'on voit, la partie de l'utilisation. Mais il y a beaucoup d'autres étapes ici qu'on voit plus ou moins. On va voir tantôt qu'est-ce que ça veut dire avec le principe de l'iceberg. Par la suite, il y a la fin de vie. La fin de vie qui est une possibilité. Si on sort du cercle finalement, on s'en va à la poubelle. Donc, l'objet est vraiment mis au dépotoir puis il n'est pas réinséré dans la boucle. Si au contraire, l'objet finalement est valorisé, mais c'est sûr, il y a plusieurs façons. Il peut être vendu, il peut être donné, il peut aller au compost, il peut aussi se faire réparer, être utilisé ou finalement être recyclé à un autre objet. Donc, ça fait partie vraiment du cycle de vie. C'est important de l'avoir en tête parce que vous allez voir que les impacts, finalement, d'un seul objet, ils vont toucher à plein de ces éléments-là du cycle de vie. Donc, on va regarder l'iceberg. L'iceberg, si on parle des déchets maintenant, l'iceberg, il y a une petite partie qui sort de l'eau, mais il y a une grosse, grosse partie qui est en dessous de l'eau. Les déchets visibles, c'est vraiment la partie que nous, on voit. Donc, la partie qu'on voit souvent, mais ça va être, comme je disais tantôt, la partie de l'utilisation dans le cycle de vie. On ne voit pas vraiment l'extraction des matières. En tout cas, c'est étonnant. Dans la majorité de nos produits, j'imagine que vous n'allez pas creuser vous-même là, les matières. La fabrication non plus, souvent, on ne la voit pas. Le transport non plus. La distribution parfois ou la commercialisation, oui, parce qu'on peut voir un commerce, mais on n'est pas nécessairement dans les entrepôts, tout ça. La fin de vie, comme je disais, les déchets disparaissent pour nous. Donc,
C'est tous des éléments qui sont classés invisibles, donc en dessous de l'eau, donc la partie cachée de l'iceberg. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir tout, finalement, tous les points du cycle de vie en tête quand on pense aux déchets. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on décide de réduire nos déchets, bien, on réduit non seulement la partie qui est visible, mais on réduit aussi la partie invisible. Donc, c'est gagnant finalement de se dire, oui, on réduit, mais on réduit vraiment la totalité. Donc, on se dit qu'il y a une grosse partie qu'on ne voit pas, mais qu'on réduit également. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Par où commencer? Donc, je vais vous donner deux idées de petits exercices pour faire un peu un état de situation puis un petit plan de votre côté, si ça vous tente. Donc, vous pourrez les faire suite à ce webinaire si vous voulez pousser plus loin. Donc, le premier exercice, l'idée, c'est de regarder ce que vous avez dans vos poubelles. Donc, vous pouvez étaler une nappe, sortir des gants, puis regarder finalement, on peut dire, à différents moments, voir qu'est-ce que vous avez. Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez pu mettre au recyclage que vous n'avez pas pensé? Est-ce que finalement, vous avez mis des choses dans vos poubelles qui iraient au compost? Ou finalement, qu'est-ce qui se retrouve dans votre poubelle? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ces éléments-là? Est-ce que je peux les remplacer par d'autres? Quelque chose qui est au contraire réutilisable? Est-ce que je peux changer où je vais acheter, par exemple, mes aliments qui sont dans un emballage plastique numéro 6 qui n'est pas recyclable? Donc, c'est un peu l'idée de faire un peu des constats puis de regarder où je devrais mettre mes efforts de mon côté selon ma situation personnelle. Donc, ça, c'est un exercice que vous pourriez faire si vous voulez. Le deuxième, c'est un peu un petit plan d'action pour se donner des petites pistes puis des petites priorités. Donc, l'idée, ça serait de sélectionner, par exemple, 5 gestes prioritaires que vous aimeriez faire, puis vous donner un délai, donc mois, année, par exemple, puis vous laisser quand même du temps pour les réaliser. Quand on dit que souvent, une habitude, pour être vraiment changée, c'est un minimum de 21 jours avant qu'elle soit ancrée, puis encore là, il faut être patient avec nous-mêmes. Donc, c'est une idée. Je vous ai mis aussi un petit lien sur mon blog que j'expliquais tantôt. Vous avez une liste de gestes potentiels pour agir si vous voulez vous inspirer. Donc, voici pour les petits exercices. Par la suite, je vais vous expliquer un peu, je vais vous montrer des exemples de comment, de mon côté, j'ai agi pas à pas. Puis, c'est toujours important de se dire sans se culpabiliser, mais sans culpabiliser les autres aussi. Donc, de montrer l'exemple puis de ne pas imposer sa vision. Et ça, c'est vraiment important. Juste en montrant comment qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait, les autres vont nous regarder puis « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? » Puis ils vont nous poser des questions. Au contraire, si vous dites « Ah non! T'as amené une tasse de café, je tape! Ah! » Puis il est banni. Bien là, c'est sûr que la personne, elle va se sentir coupable. Puis à chaque fois qu'elle va arriver dans ton environnement, là, elle va regarder tout ce qu'elle apporte puis elle ne va pas se sentir bien. Donc, ce n'est pas ça nécessairement l'idée. Donc, ni se culpabiliser, mais ni culpabiliser finalement les autres. Donc, si on regarde des petits exemples concrets de ce que moi j'ai fait de mon côté, donc par rapport à refuser, un des points que je dirais le plus important au début, c'est de parler à son entourage si on veut aller un peu dans une démarche de zéro déchet, parce que c'est important qu'il soit sensibilisé. Sensibilisé dans quel sens? C'est sûr qu'il y a l'aspect des cadeaux, par exemple, que j'ai parlé un peu tantôt, qui peuvent être une zone un peu délicate si on n'est pas d'accord avec les cadeaux qui sont offerts, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'offrir des cadeaux tout court, parce qu'on se dit aussi des fois que ben, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'offrir des cadeaux tout le temps. Par exemple, entre amis, on a décidé de notre côté de ne pas se donner de cadeaux à Noël. On va se donner davantage des cadeaux à nos fêtes, puis des cadeaux davantage en termes d'activité, par exemple. Donc ça, c'est un aspect de sensibilisation que j'ai fait au niveau de mon cercle d'amis. Au niveau de ma famille, bon, là, Noël était très difficile à gérer. Bon, avec une mamie, un papy qui veut donner des cadeaux à tout le monde, des fois, ça peut être compliqué. Mais bon, tranquillement, pas vite, on a établi des règles aussi au niveau de la famille. Donc, par exemple, on ne se donne pas de cadeaux entre adultes. Ça, c'est un choix qu'on a fait. On donne des cadeaux aux enfants, puis idéalement, pas 2 millions. Ça, c'est un choix aussi que nous, on a décidé. On en donne quelques-uns, puis on essaie qu'ils soient davantage
des dons, qui soient sinon achetés de seconde main, par exemple, des jouets qui soient durables, idéalement en bois, des matériaux nobles, moins de batteries possibles, etc. C'est sûr que, bon, il y a toujours des petits éléments qui peuvent déroger, mais l'idée globale a quand même bien passé. La sensibilisation avec les années est rendue beaucoup plus facile maintenant. C'est sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas non plus nécessairement un peu nos règles et nos façons de faire. Donc, on parle de nouvelles personnes qui rentrent dans notre entourage. Donc, cette sensibilisation-là est toujours à refaire un peu, puis sans, comme je disais, culpabiliser les autres non plus. Il y en a qui vont refuser des cadeaux. Dans mon cas, c'est pas ma façon de faire. Mais bon, chacun a ses limites, puis ils vont prendre, dans le fond, leurs décisions qui leur conviennent personnellement. Fait que c'est un peu ma démarche là, au niveau de la sensibilisation que je voulais vous expliquer. Le deuxième point de refuser, moi, j'ai mis des autocollants. Des autocollants, pas de publicité, pas de circulaire, un peu partout. Donc là, vous voyez l'autocollant qui est apposé dans ma boîte aux lettres, en fond, de Poste Canada. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez juste à contacter Publisac, puis vous pouvez leur demander un autocollant, puis ils vont pouvoir vous en envoyer un là, par la poste pour la poser également si jamais vous désirez ne pas les recevoir aussi. Donc ça, c'est une façon d'éviter des choses si vous ne les utilisez pas, parce que de mon côté, par exemple, j'utilise les circulaires en ligne là, sur mon téléphone. Donc, quand c'est nécessaire. Par la suite, la deuxième règle, réduire, comme je disais, qui est la plus importante, réduire. Donc, c'est un changement de vision, un peu, qu'il faut essayer de voir et d'avoir en tête. Être plutôt qu'avoir. Donc, c'est sûr que des fois, on est habitué, par exemple, à s'acheter des choses quand on veut se récompenser, quand on veut se faire plaisir. Mais c'est un peu de changer sa façon de voir, puis... au contraire, de se trouver des nouvelles façons de se faire plaisir que de penser à la consommation. Et ça, c'est un des points importants. Le deuxième, dans mon cas, j'ai utilisé la technique de Marie Kondo. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je suis tombée complètement par hasard dessus en lisant une revue. Il y avait un petit article d'organisation, puis il parlait de son livre qui s'appelle « Le pouvoir étonnant du rangement ». Puis j'ai appliqué son livre quasiment à la grandeur de ma maison. J'ai vraiment réduit beaucoup le nombre d'objets. Ça m'a vraiment beaucoup aidée en me posant quelques questions. T'sais, de son côté, elle disait « Est-ce que l'objet m'apporte du bonheur? » En gros, c'est à peu près ça, la phrase clé qu'il faut retenir. S'il ne m'apporte pas de bonheur, on parle de vêtements, par exemple, comme la photo que j'ai mise ici. S'il ne m'apporte pas de bonheur, puis qu'à chaque fois que je le sors, « Oh, je suis pas bien dans ce chandail-là! » Ah, oh, il est frippé après 2 secondes, il y a plein de petites bouloches après. Finalement, je finis par l'enlever et je ne le porte pas. Mais qu'à chaque fois que j'arrive pour m'en départir, finalement, je ne le mets pas de côté pour le donner ou, bref, y donner une deuxième vie. Bien, il ne me sert à rien de le garder dans mon garde-robe. Donc, ça, c'est un exemple par rapport aux vêtements. Puis, elle a fait le tour de l'ensemble des objets de la maison avec différentes techniques pour aider les gens à finalement garder l'essentiel des objets, puis finalement également à bien les positionner. Comme par exemple ici, tous les vêtements sont mis finalement à la verticale pour se tenir un à côté des autres, pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble rapidement. Au lieu de faire des piles, puis là tu ne sais plus qu'est-ce qu'il y a en dessous de la pile, c'est caché dans le fond de ton tiroir, mais là tu peux les voir au contraire rapidement. Puis chaque objet a sa place finalement dans toute la maison. Donc c'est un élément qui m'a beaucoup aidée à réduire finalement le nombre d'objets. Mais là, l'élément qui est important aussi, c'est beau de réduire, mais il ne faut pas qu'il y en ait 2 millions d'autres qui rentrent à nouveau. Sinon, on ne réussit pas finalement à descendre le nombre d'objets. On fait juste réduire pour en avoir des nouveaux. Ce n'est pas ça l'idée non plus. Donc, normalement, après ça, c'est un objet pour un autre qui rentre et qui remplace. C'est un peu la stratégie. Si on continue dans la même voie de réduire les emballages, c'est tout un défi. Tout un défi parce qu'il y en a énormément et partout. Je dirais qu'au niveau du zéro déchet, là, c'est un des éléments essentiels et clés. C'est vraiment, vraiment en lien avec les aliments en général. La façon qu'on fonctionne, qu'on procède, il faut vraiment changer nos façons de faire. À droite, vous avez mon kit d'épicerie. Donc, dans mon kit d'épicerie, j'ai des sacs réutilisables, évidemment, pour l'épicerie.
J'ai des sacs en filet aussi. Donc, des sacs en filet que j'utilise pour les fruits et les légumes. J'ai une tête d'oreiller pour mettre les pains, par exemple. J'ai des pots en métal que vous voyez avec une couverture en plastique. Ça, c'est les pots que j'utilise pour mettre autant les éléments en vrac, la viande, les fromages, etc. Je mets vraiment, dans le fond, tout ce qui est en vrac que j'achète. Puis, également, j'ai d'autres types de contenants comme le contenant rose puis l'autre contenant plus gros en plastique qui me sert, en fait, pour, je dirais, les produits qui sont de formats différents. Par exemple, je vais aller acheter un gâteau. Et je vais prendre mon gros plat rose puis je vais aller acheter mon gâteau puis je vais le mettre dedans. Je n'aurai pas besoin d'amener l'emballage avec. Donc, c'est dans le fond de transformer ses façons de faire pour finalement trouver son moyen personnel qui correspond finalement à ses besoins, mais qui va correspondre aussi au style de vie, si on peut dire, du zéro déchet, c'est-à-dire d'éviter au maximum les emballages. À votre gauche, vous voyez, au contraire, mon frigo. J'essaie d'avoir le plus possible en vrac les choses, donc les fruits, les légumes. Puis, j'utilise également des contenants pour, finalement, augmenter le nombre de tiroirs que j'ai dans mon frigo. Dans le fond, c'est un peu ça. Et chaque contenant, moi, j'ai acheté les contenants de Tupperware, mais vous pouvez avoir d'autres choses aussi. Là. C'est la marque Tupperware, mais c'est il y avait ça la catégorie des intellifrais. Donc, ça permet de conserver finalement les aliments plus longtemps. Donc, c'est ça, dans le fond, la façon que moi, je procède au niveau alimentaire. Puis, je vais vous montrer aussi. C'est ça, j'avais aussi, j'ai mes fines herbes aussi. J'ai un contenant là, pour mes fines herbes aussi là, qui permet de les garder également plus longtemps. Donc, ça, c'est ma façon à moi de faire. Mais c'est sûr que j'ai transformé où je vais faire mon épicerie. À la base, c'est sûr que là, maintenant, avec la pandémie, c'est un peu différent. J'ai réduit le nombre de places que je fais normalement. Mais, par exemple, en temps normal, j'allais chez Maxi. Par exemple, de mon côté, c'est l'épicerie qui est la plus proche pour tout ce qui est, je dirais, conserve et certains éléments que j'achète encore emballés. Mais mon Maxi est celui qui est l'épicerie la plus proche, qui a le moins d'emballage au niveau des fruits et des légumes. Fait que c'est vraiment quand même beaucoup en vrac. Je vais aussi chez Nourrir. Donc, Nourrir pour aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un achat en gros qui permet justement d'aller chercher des éléments bio de bonne qualité en vrac moins cher. Donc, c'est vraiment super intéressant comme procédé. Puis c'est pas, par exemple, à toutes les semaines, c'est selon où est-ce que vous êtes situé. Ça peut être, par exemple, aux 2 mois ou au mois, dépendamment. Puis, c'est en lien avec des bénévoles qui nous permettent d'aider à faire notre commande puis d'aller la chercher, puis de remplir, finalement, nos contenants. Je suis également abonnée à Loufa pour les fruits et les légumes, en particulier. Donc, livrés chez moi ou dans un commerce du coin. Là, actuellement, c'est comme juste un peu différent. Normalement aussi, j'allais au marché Cap 40, mais je faisais pas tout ça chaque semaine, là, que t'es fou, ça fait beaucoup trop. C'est une rotation, c'est ça qu'il faut comprendre. Le marché Cap 40, c'était beaucoup pour moi la boucherie, donc j'allais chercher ma viande en vrac chez le boucher, le fromager, que ce soit aussi la poissonnerie, puis également Vrac en folie, qui est une boutique de vrac que j'aimais beaucoup aussi, qui complémente un peu les éléments que j'ai pas nécessairement chez Nourrir, par exemple. Donc, que j'achète en vrac. Puis, j'allais également chez Première Moisson. J'aime beaucoup leur pain puis leur gâteau. À l'occasion, c'était notre petite gâterie. Là, on allait là. Donc, en gros, c'est à peu près ça là, pour mon épicerie. Mais comme je disais, c'est en alternance. C'est pas à chaque semaine, j'allais pas tout faire ça. Fait que dans le fond, ici, vous voyez un peu les contenants. À gauche, c'est mes contenants vraiment que je garde dans ma cuisine. Donc, j'amenais mes contenants en métal, comme le sucre à glacer. J'ai un kit spécial, comme je disais, pour mon épicerie. Puis, j'ai transmis finalement dans divers contenants que j'ai à la maison. Parce que c'est sûr que si on achète, par exemple, qu'on a des pots maçons puis qu'on veut les apporter, ça devient très, très lourd à la longue parce que vous en avez sûrement beaucoup. Donc, avec un coup que les contenants sont pleins, en plus, transporter ça, ça devient quand même lourd. Puis, l'idée, c'est pas d'acheter non plus nécessairement un gros kit de contenants, mais d'utiliser au maximum ce qu'on a à la maison ou les contenants qu'on a achetés qui contenaient, je sais pas moi, des cornichons ou peu importe.
on les conserve, on les garde, on enlève l'étiquette si on est capable, si vous voulez, là, c'est pas une obligation non plus. Puis finalement, bien, vous avez des contenants hétéroclites, puis il n'y a pas de problème, puis c'est parfait comme ça. À votre droite, bien, je fais des conserves aussi pour essayer d'acheter le moins possible des éléments en conserve au magasin. Donc, j'ai ma liste d'éléments là, que je fais, mais ça, c'est encore là, ça dépend. Ça dépend de vous aussi, puis de vos goûts et de vos habitudes. Mais moi, j'aime bien les tomates, les betteraves. Je fais du ketchup aux fruits, différentes recettes comme ça. Mon truc, c'est de le faire entre amis ou en famille, puis on divise après ça en lots. Comme ça, bien, c'est le fun, puis c'est moins long à faire que tout seul, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du ketchup aux fruits, là, mais... Il faut couper des légumes et des fruits pour arriver finalement à faire des recettes comme ça. Par la suite, le nombre de produits ménagers. Donc, ça aussi, c'est important de réduire. Puis, il y a une question aussi de qualité de l'air et de l'environnement aussi à toujours avoir en tête. De mon côté, j'ai réduit vraiment au maximum. Et c'est en gros, la majorité, c'est du bicarbonate de soude et du vinaigre pour quasiment tout. Mais à votre droite, vous pouvez voir, j'utilise aussi du savon noir, puis quelques produits autres, cristaux de soude, acide citrique, savon de Marseille, pour finalement fabriquer mes propres produits ménagers. Donc, par exemple, je fais mon savon à vaisselle maison. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. J'utilise du vinaigre pour le rinçage. Ça fonctionne quand même assez bien. Sinon, pour encore une plus grande efficacité, il existe un mélange aussi qu'on peut faire avec un peu d'alcool qui rend les verres encore plus... brillant, si on peut dire, et transparent. Donc, parfait. Il y a des choses que j'achète en vrac, par exemple, comme le savon à vaisselle. Ça, c'est un choix. J'avais fait un cours de mon côté pour apprendre à faire des produits ménagers. Mais il y a des choses que je trouve que ça ne vaut pas nécessairement la peine de le faire, finalement, de l'acheter. Il faut choisir ses batailles. Parce que des fois, c'est une question de temps aussi. T'sais. Il y a des choses qu'on est prêt à faire, mais que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Puis finalement, c'est pas tant rentable que ça. Fait qu'il faut faire des choix dans qu'est-ce qu'on décide de faire maison, qu'est-ce qu'on achète, par exemple, en vrac, puis finalement, faire un équilibre dans tout ça pour notre qualité de vie. Par la suite aussi, réduire le nombre de produits corporels. Ça aussi, c'est un défi. Moi, je dirais que c'est un défi plus grand de mon côté parce que j'ai une peau très sensible et mon garçon aussi. Donc, il y a des choses que j'ai malheureusement même pas encore trouvé de solution concrète. Si je parle, par exemple, du déodorant, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé toutes sortes d'affaires, des recettes maison. J'ai essayé d'acheter aussi des produits existants, plus meilleurs pour la santé, tout ça, plus en vrac possible, etc. Mais pour l'instant, je réagis toujours. Fait que c'est sûr qu'il faut s'adapter. T'sais, chaque personne est différente. Mais on essaye au maximum de finalement d'avoir les meilleurs produits possibles. Il y a des choses qu'on achète en vrac, comme par exemple le shampoing, le revitalisant. Il y a des choses qu'on fabrique, comme la pâte à dents. Mais on utilise aussi parfois la pâte à dents commerciale encore. Une question aussi de dentition, de caries et autres. Bon, tu sais, il faut en discuter avec son médecin. Parce que par exemple, pour le dentifrice, pas le médecin, mais le dentiste, le dentifrice, quand on le fait maison, ça fait plus abrasif aussi. Dépendamment des recettes, dépendamment de vos gencives, de votre type de dents, etc. Donc, c'est important de valider aussi, de ne pas s'entêter. L'objectif, ce n'est pas de ne plus avoir de dents non plus dans quelques années ou de maganer ses gencives. Donc, c'est vraiment le compromis. On fait des savons en bord corporels chez nous. Les brosses à dents, c'est ça, on utilise les brosses à dents en bambou, de l'huile pour le corps, donc pour la lotion. Et ça, c'est des exemples. Côté plus féminin, le démaquillant, c'est fait maison. J'ai fait des petits cours aussi pour apprendre à faire des produits de maquillage de maison. Donc, poudre pour les joues, fard à joues, que ce soit le fond de teint, etc. Moi, je ne me maquille pas beaucoup, donc c'est sûr que ça dépend des personnes aussi, mais c'est des cours qui sont intéressants parce que finalement, c'est des produits vraiment naturels qu'on utilise. Puis, c'est fun parce que c'est nous qui les avons fait, puis on choisit les couleurs, puis les éléments en conséquence. J'utilise aussi des produits que j'achète en vrac pour me faire, par exemple, des masques faciales. Donc, très simple avec de l'huile, puis de l'argile blanche avec un peu de poudre de noix de coco, par exemple.
d'utiliser aussi des produits pour les menstruations qui sont réutilisables, comme la Divoca, puis les serviettes lavables, des cotons aussi démaquillants également lavables, puis un rasoir, par exemple, électrique. Donc, c'est à peu près, dans le fond, les exemples de ce côté-là pour les soins plus au féminin. Pour les hommes, mon conjoint, par exemple, lui, il utilise un savon tout simplement qui fait mousser avec un blaireau pour la barbe. Puis, il utilise un rasoir qu'on peut changer les lames puis qui sont recyclables à 100%. Également, de l'huile de jojoba pour mettre après le rasage, donc pour bien hydrater la peau. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver des façons de changer nos produits puis de faire des tests sur soi pour être sûr que finalement, tout est correct pour nous puis qu'on apprécie. Après ça, pour les enfants, pour les couches, mais évidemment, les couches lavables, de l'huile d'amande douce pour la peau, par exemple, le liminène oléo-calcaire là, pour les fesses. Donc, c'est aussi là, un élément là, qu'on peut garder en tête. Puis, au lieu d'avoir les lingettes jetables, là, d'avoir des débarbouillettes là, pour nettoyer les fesses correctement qu'on lave là, à chaque fois. Je vais faire rapidement, là. Je sais que le temps file. Donc, réutiliser aussi, il faut y aller selon nos limites. Par exemple, nous, les couches lavables, c'est sûr que mon garçon il a hérité de ma peau. Donc, il a la peau très sensible. Et qu'on est obligé de faire des compromis. J'ai essayé toutes sortes de techniques inimaginables pour continuer à utiliser les couches lavables. Mais malheureusement, je me suis rendue à l'évidence que finalement, ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas les utiliser à 100% parce que, pauvre lui, il avait les fesses toutes irritées puis ça guérissait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on a fait un hybride. On a alterné entre les couches jetables et les couches lavables pour finalement avoir quand même une meilleure conscience, mais respecter aussi les limites. Donc, c'est un peu ça. En parlant de limites, les mouchoirs, nous, on a décidé d'aller vers les mouchoirs lavables. Ça, c'est une des limites qu'on a franchies, mais pas le papier toilette lavable pour l'instant. C'est un choix familial. Je dis pas qu'on ira jamais, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On pense plus davantage à installer un bidet comme prochaine étape. Donc, ce serait peut-être plus ça. Donc, réduire le nombre de papiers toilette, mais sans complètement l'éliminer nécessairement. À droite, c'est un exemple pour les lunchs. Puis, un des défis qu'on a eu, par exemple, c'est la tasse à café. Mon conjoint utilisait une machine à café au travail, que les grosses tasses, là, ça ne rentrait pas. Donc, il fallait trouver une petite tasse qui fonctionnait, mais qui était réutilisable. Ça a été un défi quand même, parce qu'il n'y en rentre pas partout. Donc, finalement, on l'a trouvé, on est bien contents. Comme ça, il n'y a plus besoin d'utiliser les petites tasses à café jetables. Donc, ça, c'était un exemple. Finalement, recycler, je vais y aller rapidement. C'est sûr que, bon, il y a les éco-centres mobiles là, pour tout ce qui est éléments, quand on pense à peinture, batterie et autres. Mais tous les autres éléments spécifiques aussi, qu'on ne sait pas où ça peut aller. Je pense par exemple à des bouchons de liège, c'est recyclable. Eh bien, à Laval, il existe une boutique qui s'appelle le Domaine du vin. Vous pouvez ramasser vos bouchons de vin, puis à un moment donné, aller les porter. C'est direct à l'entrée, là, vous rentrez, il y a une boîte de dépôt, bouchons de liège, puis ils s'occupent de les recycler. Il y a plein d'endroits et de compagnies qu'on ignore des fois l'existence qui nous permettraient finalement de recycler certains articles particuliers. Fait que toujours finalement avoir en tête de faire des petites recherches puis essayer de voir est-ce que ça se recycle quelque part. Donc, c'est un peu l'idée derrière. Puis composter finalement, mais moi, j'y vais à 100%. C'est-à-dire que j'ai fait les trois sortes de compost disponibles, c'est-à-dire, oui, le compost de la ville. Donc, le compost de la ville, de mon côté, je mets davantage ce qui est restant de poisson ou de viande. Je ne peux pas mettre dans mes autres types de compost. Et tout ce qui est très gros, c'est-à-dire les branches de mes arbustes et autres. Le compost extérieur, je vais utiliser celui-là beaucoup pour tout ce qui est des feuilles, épluchures de légumes et autres. Mais les épluchures de légumes aussi, je vais les partager avec mes petits verres dans ma tour que j'appelle mon condo, là. Mon condo de ma tour à condo pour mes verres. Donc, dans le fond, je leur donne, dans le fond, eux autres aussi, là, des épluchures de légumes. Mais c'est ça, chaque conteneur a vraiment ses restrictions et ses limites. Puis ce qui est le fun, dans le fond, c'est finalement d'éviter de mettre trop souvent le bac de compost au bord du chemin, le bac de recyclage au bord du chemin, puis finalement la poubelle au bord du chemin. Si vous voulez voir un peu votre évolution dans
vos transformations pas à pas, un des trucs qui est intéressant, c'est finalement de noter à chaque fois que vous mettez au bord du chemin votre bac de compost, votre bac de recyclage, votre poubelle. Ce qui est fun, c'est qu'en théorie, si vous continuez de faire des pas au niveau du zéro déchet, mais tranquillement, pas vite, vous allez voir que votre poubelle, vous allez la mettre de moins souvent au bord du chemin, puis que vous allez réduire. Puis c'est pas parce qu'il reste qu'il y a une partie dans le fond de la poubelle qu'il y a quelque chose que vous êtes obligé de le mettre non plus. Il faut se dire que le camion est plus en plus efficace, moins il arrête souvent, plus le circuit est court, plus il en ramasse rapidement. Donc, l'objectif, finalement, c'est idéalement de le moins mettre. C'est aussi bon pour la ville que les taxes, que le système au complet. Puis, pour vous aussi, parce que finalement, l'idée, c'est de réduire autant les trois, puis de gérer au maximum chez soi. Puis moi, c'est pour ça que j'ai gardé, par exemple, mes autres systèmes, malgré que maintenant, j'ai le bac brun en tant que lavalloise chez moi. Parce que comme ça, le compost extérieur, j'ai à chaque année, je fais une alternance entre mes deux bacs de compost. Puis j'ai tout le temps en fond du compost pour mon jardin que je fais chez moi. Puis mon vermicompost, j'obtiens du type compost que je peux donner comme engrais à mes plantes, puis également dans mon jardin aussi. Donc c'est vraiment le meilleur compromis de mon côté. Donc c'est ce qui fait presque la fin. Je vous ai mis quelques références. Donc selon moi, ça c'est les références clés. Donc, des livres très intéressants, aussi un circuit zéro déchet pour voir dans les environs les commerces qui acceptent les contenants. Puis l'association zéro déchet, si vous voulez aller voir leur site, c'est super intéressant aussi. Puis également là, d'autres éléments pertinents si jamais vous voulez aller aussi plus loin là, pour calculer votre empreinte, pour bien cerner vos besoins et aussi plus loin dans la démarche là, environnementale en général. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour. On peut poursuivre avec les questions.